Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, ce sera un nouveau type, enfin, un nouveau type de vidéo. Alors, ce sera juste une vidéo où je vais aller regarder en fait les tutoriels les plus nuls de YouTube. Vraiment, les tutoriels qui n'ont pas réussi en fait, mais qui ont fait un maximum de vues. Donc, c'est parti pour la vidéo. On va sillonner YouTube, on va aller regarder en fait. Je vais trouver deux vidéos, deux tutoriels qui sont vraiment nuls et on va regarder un peu comment les gars expliquent en fait tout ça. Donc déjà, je vais aller sur la première vidéo. Alors donc la première vidéo s'appelle Comment avoir WhatsApp gratuit. Donc c'est parti donc pour la première vidéo. On va regarder ensemble la première vidéo. Voilà, comment avoir WhatsApp gratuit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment activer les mots de gratuit sur WhatsApp, c'est-à-dire comment utiliser WhatsApp gratuit illimité. On suivait attentivement la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la notification pour ne rater Ok, on va aucune passer ça prochaine un peu vidéo. rapidement. 10 mégas dans votre carte SIM. Il D'accord, faut il que dit vous ayez avant au moins. en fait, pour avoir WhatsApp gratuitement, il faut avoir 10 mégas dans sa sur sa puce en fait. D'accord. Enfin, vous allez dans le paramètre de votre téléphone. Va dans les paramètres de téléphone, d'accord. Et là, c'est juste pour avoir en fait WhatsApp gratuit qu'on fait toutes ces choses en Vous fait. allez Donc sur consommation non seulement on va 10 mégas et maintenant on se dirige dans les de données. Je paramètres. répète, sur consommation. Il dit on va dans consommation des données. En fait là j'espère que ce sera vraiment un tutoriel vraiment nul en fait parce que déjà je ne vois pas le rapport entre WhatsApp gratuit et consommation des données. Parce que là on te fait juste les statistiques de la manière dont tu as utilisé en fait ta connexion. Par exemple on va te dire WhatsApp tu as utilisé 20 mégas le mois etc. ce genre de choses là. De D'accord, on données, continue en fait la vous vidéo. cliquez sur ça. Moi, il y a Orange et MTN. Moi, j'utilise Orange et MTN. Du grand n'importe Vous, quoi en si fait. vous utilisez RTL, Move, dans Vodacom, donc je sais pas pour les SIM, mais moi, j'utilise Orange et MTN. Pour le moment, j'utilise MTN. Vous affinez Ok, ça on va comme passer ça, ça faites ça comme ça. rapidement. Tous Il les dit deux, activer ils la. sont activés. Je sais pas, mais je passe MOP, rapidement. on ne sent pas votre connexion. On va passer ça rapidement. D'accord. Et maintenant, on va Concentrez dans que je WhatsApp. vous dis, vous allez bien comprendre. Ok. Donc l'objectif c'est d'avoir WhatsApp gratuit en illimité. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de regarder. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, Concentrez si ça fonctionne, je vais que. Ok, tester aussi là, et vous puis je vais. cliquez sur les trois petits points qui sont D'accord. Donc à après toutes droite. ces choses, on Vous va cliquez maintenant dans les sur ça. paramètres de YouTube. Il y a. Enfin, on va dans les paramètres de WhatsApp. Paramètres qui est en bas, vous cliquez sur paramètres, vous descendez. Il y a utilisation données et Et stockage. là, en Vous cliquez. fait, il va dans utilisation données et stockage. Quelque chose, en fait, qui n'a rien à voir avec le titre, en fait, de la vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que dans utilisation données et stockage, on te montre, en fait, comment réduire l'utilisation de tes données. On va continuer, on va suivre. On va voir ce qu'il va Cliquez faire. sur utilisation de données et stockage. Vous cliquez sur ça. Vous Ok. descendez directement en bas, il y a Ok. utilisation réduite des données. Ok, donc c'est ce que je disais en fait, utilisation réduite des données. Donc là, il va en fait nous montrer, enfin WhatsApp nous dit en fait, voici comment réduire en fait l'utilisation de vos données. Par exemple, si vous avez des données mobiles, et lorsque par exemple, une personne vous envoie une photo, une vidéo ou un audio, vous pouvez par ce paramètre-là modifier en fait cela. C'est-à-dire que lorsque une personne vous envoie par exemple une photo, une vidéo ou un audio, ça ne va pas se télécharger automatiquement. Si vous n'avez pas cliqué sur la photo ne va pas charger en fait. Voici comment réduire un peu les données sur WhatsApp. Et là, il nous parle de connexion gratuite sur WhatsApp. Et je sais pas, c'est carrément. Ok, on continue la Réduire les vidéo. données lorsque dans vous cliquez sur utilisation des données réduites. Vous activez ça. Ok. Après avoir activé, on a dit en utérance. Aucun média, vous voyez, aucun média. Donc, si vous voulez, faites, Tout vous ça en fait cochez n'a tout. aucun rapport en Cochez fait, mais je vais photo, passer ça rapidement. Je audio, passe. vidéo, document. Je passe tout Tous les ça. médias. Je passe tout ça Bon, pour que ça ne vous c'est intéresse pas. pas.
voyez, on n'a pas encore écrit mode gratuit. Ok, Donc, donc il c'était dit votre téléphone. normalement, on doit écrire mode gratuit à la place de WhatsApp. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. On continue la vidéo. On va vous montrer le mode gratuit et vous allez continuer à utiliser WhatsApp comme vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer. Attendez un peu. Je vais éteindre mon téléphone pour vous montrer d'abord comment ça marche. Ok, après avoir éteint votre téléphone, vous attendez 20 à 25 minutes. Et là, il nous dit, pour en fait que ça marche, vous attendez 20 à 25 minutes. Déjà, ça n'a rien à voir. En fait, je ne trouve pas ça important ou je ne trouve pas utile en fait de redémarrer son téléphone après 25 minutes pour avoir la connexion gratuite illimitée. Mais quand même, on va continuer le tutoriel jusqu'à Pour la fin. redémarrer votre téléphone, vous On allez dans redémarre. l'application WhatsApp. Maintenant, moi, j'ai déjà fait. J'ai attendu plus de 20 minutes avant de continuer la vidéo. Vous cliquez sur Et là WhatsApp, même, il y je a vais déjà vous un problème montrer. en fait. Après avoir éteint, vous cliquez sur WhatsApp. Après avoir Là, il y a cliqué un problème. directement, vous. On a l'impression qu'il a mis en fait la vidéo sur pause. Et puis regardez un peu là. On ne voit pas en fait la barre des notifications du téléphone en fait. On ne voit pas la barre de notification. Et là, le mode gratuit, on sent que c'est une image qui a été modifiée. C'est-à-dire qu'il a fait le screenshot de l'interface de WhatsApp. Et là où ils ont écrit WhatsApp, il a gommé et il a mis mode gratuit à la place. Donc ce tutoriel est vraiment nul à chier et ça ne marche vraiment pas. Malgré cela, il a eu 12 161 vues depuis le 14 septembre 2020. Moi, j'ai jamais eu à faire 12 000 vues même sur ma chaîne, sur une vidéo. Et vous voyez, sur ces vidéos qui sont vraiment nulles, il a eu jusqu'à 12 000 vues. Donc c'est vraiment quand même intéressant. Sa vidéo a quand même fait le buzz, hein. Donc, c'est parti pour la deuxième vidéo. J'espère que la première partie de la vidéo vous a plu. La première vidéo qui était vraiment nulle, qui n'avait ni qui était ni tête ni queue. Donc, j'espère que la première vidéo vous a plu. Donc, la deuxième vidéo c'est comment craquer une carte SIM et avoir la connexion internet. Donc, c'est parti pour la deuxième vidéo. Donc, c'est parti pour la deuxième vidéo. Je vais la lancer. Et donc, on va commencer à la regarder tous ensemble. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur Soap Info. Aujourd'hui, nous vous apprenons comment utiliser de la connexion Internet gratuitement. Et bien les amis, pour plus de précision, retrouvons-nous après le générique suivant. Bon visionnage. Oh, mais je m'attendais à un générique en fait. Il dit, on se retrouve après le générique et je ne vois pas de générique. Ça m'a fait un truc là. Ok, on continue. D'accord, il nous montre sa Coucou, puce. salut la Il a famille. carrément enlevé en fait sa puce. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment avoir de la connexion gratuitement. Comment avoir la connexion gratuitement avec notre carte SIM. Ok. Où que vous soyez, dans quel pays que vous soyez, N'importe vous quel pays, n'importe quelle ville, pouvez n'importe l'utiliser quel gratuitement continent, avec votre carte ça SIM marche. et vous pouvez le réseau. Ça sent déjà le mensonge en fait. Eh bien, nous avons notre carte SIM qui va nous aider. Cette carte de Oh, SIM. mon gars, c'est calme. Le gars, carrément, il fait sortir une pointe. Moi, je m'attendais plutôt à un logiciel qu'il avait lui-même programmé ou peut-être une application qui allait servir en fait à craquer la puce. Mais là, carrément, le gars sort une pointe. Je sens que je vais commencer à rire dans quelques minutes. D'accord. Cette partie de la SIM, c'est la partie la plus importante d'une SIM. D'accord. Ça, c'est ce L'importance, qu'il dit, c'est hein. Mais je ne suis C'est pas tellement vrai, d'accord aussi. la carte de mère de Je ne suis votre même pas SIM. d'accord en fait. Eh bien, notre SIM comporte encore à elle-même six autres parties. Bon, ça dépend aussi de la puce. Il y a des Bien, puces ces qui six comportent autres parties. 9 parties. Mais ça dépend aussi de la puce. Mais déjà, je ne crois même pas à tout ce qu'il dit. Deux parties comportent la connexion, deux autres c'est pour les À appels, quoi sert la deux autres pointe, c'est mon pour gars? les SMS. Mais aujourd'hui, nous allons nous montrer ensemble comment faire pour utiliser cette connexion internet gratuitement. 18 000 vues quand même, hein, 18 000 vues Eh bien, supérieures à cette l'autre. partie-ci, c'est la partie mâle, La ce qui est partie. le pôle négatif. Voici le pôle positif. Ici, c'est le négatif. Donc, nous allons nous intéresser à deux pôles dans notre SIM. D'accord. On prend la première, celle du bas, mais le pôle positif qui veut dire la femelle. On l'abîme. En la grattant. Oh mon gars, ne gratte pas ta. Puis Attends, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de gratter sa puce en fait.
Moi, je voulais aller prendre ma puce aussi, tester, peut-être ça allait marcher, mais là, je vois qu'il est en train de bousiller sa puce en fait. Il prend une pointe et il gratte sa puce dans l'objectif de la craquer. D'accord, on suit. Je sens que ça va marcher. On la gratte jusqu'à l'obtention de cette matière grise. On la gratte, on la Waouh. gratte, on la gratte. Il y a quand même des On la ingénieurs gratte. ici hein, sur YouTube, car au moins du n'importe quoi. Et là, il y a Et continue 18 000 de la personnes qui ont gratter. suivi le tutoriel. 358 j'aime. Toujours des gens pour liker. 63 j'aime pas. Je me dis aussi que tous ceux qui regardent des vidéos n'ont pas le temps de liker ou de disliker. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, on continue. Donc, on Maintenant, gratte la une puce fois en qu'on fait. l'a abîmé, comme vous voyez là. Cette vidéo est à but éducatif et je ne vous conseille pas de faire ça chez vous. Moi-même, je ne vais pas le faire. Prendre une Pour pointe et gratter ma s'intéresser à puce. l'autre Même partie si qui je est ne l'utilise plus, la je ne vais partie jamais faire ça. mâle, celle-ci, et la partie Et il mâle, parle en là, fait d'accord. de partie mâle, de partie femelle. Je ne sais pas si je trouve ce croix de National Geographic, mais en fait, sur une puce, il n'y a pas une histoire de partie mâle, partie femelle, en fait. Même si je ne m'y connais pas trop en télécom, mais je sais que vraiment, ça n'a vraiment rien à voir, en fait. Même la partie de pôle négatif, pôle positif, je ne suis vraiment pas sûr. On gratte la partie femelle, maintenant on gratte la partie mâle. Waouh. Écoutez, Un ingénieur de malade, en fait. on la gratte, étant bien gratté, les deux parties, la femelle et le mâle, Donc on continue de vont gratter sa ensemble puce. Bon, on va sortir passer un peu. vivants. C'est avec ça qu'on aura maintenant à naviguer Waouh. sur Internet gratuitement pour ces deux matières. On les gratte parfaitement. C'est Ok. ça. Donc Une elle a fois fini. fini, vous Quoi? lavez cette Attendez, matière, vous j'ai la peut-être pas lavez, bien vous la entendu. lavez avec un chiffon. Trop bien compris là, en fait ce qu'il était en train de dire. J'ai pas trop bien saisi en fait. Donc je vais repartir sur la vidéo. Il disait. Ces deux parties-là, c'est avec ça Je qu'on aura passe. maintenant à naviguer sur Internet crack. C'est ça. Une Ok, fois fini, une fois terminé. vous En lavez fait, c'est cette la partie en matière. fait que j'ai pas compris. Après avoir gratté la puce, on va laver la puce. Je vois pas trop le rapport. Bien, vous la lavez, donc vous la lavez avec On un lave la chiffon puce. un Un peu, et chiffon. vous la lavez bien. Une fois Waouh. Le fini, gars il insiste en fait. Vous la lavez avec un chiffon. Enfin, vous lavez avec un chiffon. Vous lavez bien avec un chiffon. Que ce soit propre, clean. Et il insiste. vous la laissez sécher Et pendant ouais. 5 heures de temps. Pendant 5 Vous heures. la laissez sécher pendant 5 heures de temps. On va laisser sécher pendant C'est 5 une partie heures. importante. En fait, ce qui Vous me la fait laissez mal, c'est que sécher 5 heures de parmi les temps. 18 000 personnes qui ont regardé, j'ai l'impression qu'il y a assez de personnes qui ont bousillé leur puce en fait. Mais je vais mettre une pause. Je vais aller voir un peu les commentaires, voir un peu ce que les gens disent en fait sur la vidéo. Après cette vidéo, tous ceux qui ont fait la même chose peuvent aller voir leur opérateur mobile, vous envoyer une autre carte ici. Oh, ça c'est vrai en fait. Alors, si tu as fait cette vidéo-là, ta puce est carrément inutilisable. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Beaucoup de personnes. Ah oui, du coup, j'aime la vidéo. C'est bizarre. Il dit. Salut mon frère, je viens de tout juste m'abonner dans un creuset, c'est un peu machin encore, tu vas pas devoir gratter et laver la puce. Où doit-on la sécher? Au soleil? Comment ça, au soleil? Ah mon gars, mets ça sous la pluie, ça va sécher sous la pluie. Ça marche pas, c'est du faux. Carrément, lui, il fait sa pub sous la vidéo du gars. Sale menteur, lui, il ment trop. Pour moi, ça marche en renouvelant mon forfait. Menteur comme un président. Oh là, on va dans la politique maintenant. Ok. Il dit fake, 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 je veux. Ah, ouais, les gars, c'est carrément des menaces en fait qu'on trouve dans les commentaires. Fake, mon frère va arrêter de mentir. Fake, ça marche pas, c'est du bluff, fou, fou. Menteur, menteur. Ouais. Seigneur, en fait, il y a carrément des commentaires assez méchants.
Il y a un seul commentaire que je crois qui a dit cool, j'aime la vidéo et tout ça. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, likez la vidéo, partagez et commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et de ces différentes vidéos-là dans les commentaires. Et on se tient à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!